Salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je pense que je vais pouvoir en aider plus d'un ou plus d'une car vous êtes toujours très nombreux à me demander lorsque je poste une photo de mes poneys avec un licol ou un équipement cette question de où j'ai trouvé cet équipement parce que vous galérez à trouver sur internet pour mini Shetland ou chevaux miniatures. Donc je me suis dit que c'était plutôt sympa de pouvoir vous aider par rapport à ça et du coup vous donner des sites internet où on peut trouver des équipements pour des chevaux miniatures et des mini Shetland, car oui je dis beaucoup site internet car c'est très difficile d'avoir un magasin fixe pour trouver des équipements de cette taille. Il y en aura deux que je pourrais vous conseiller mais où vous n'aurez pas énormément de choix. Mais voilà, aujourd'hui je vais vous donner un peu les sites que je vous conseille d'aller pour trouver et également des sites où vous pouvez toujours aller regarder mais où moi je ne vais pas acheter personnellement car j'ai trouvé des sites qui me correspondent tout à fait et où j'arrive à trouver tous les équipements qu'il me faut pour mes trois monstres. Donc je vais vous donner tout ça afin que cette vidéo soit un peu moins chiante à juste vous dire les sites internet. J'ai pris avec moi des équipements que du coup j'ai acheté ou reçu de ces sites internet pour vous donner du coup une vague idée de ce que vous pourrez trouver là-bas et que vous puissiez voir voilà niveau design, taille et tout. Bon, taille vous ne verrez pas forcément mais du coup je vous mettrai également des photos des équipements portés pour que voilà vous puissiez vous faire une petite idée des équipements et du coup bah vous dire les sites plus ou moins que je vous conseille moi. Et du coup voilà, on va commencer, donc c'est parti. Du coup je vais commencer directement par des sites internet qui sont également des magasins fixes. Alors c'est deux magasins que je pourrais vous conseiller et que tout le monde connaît. C'est en premier lieu Kramer. Donc Kramer est beaucoup sur internet mais ouvre des mégastores. Donc il y a un mégastore qui se trouve à Strasbourg, alors qui est dans l'est de la France là où j'habite. Moi j'habite en Lorraine, Strasbourg c'est en Alsace, donc c'est environ deux petites heures de chez moi. Mais il y a également un mégastore qui a ouvert au niveau du milieu de la France, beaucoup en ont parlé. Il y a Mathilde de la chaîne Mathilde et Sligo qui a fait un meet-up là-bas, il y a Cassandre qui a pu y aller. Donc voilà, il y a des mégastores qui se créent et là-bas du coup vous allez pouvoir trouver pas énormément grand chose, mais c'est surtout si vous cherchez un licol qui pourra aller à votre mini, car tout simplement ils vendent des licols taille poulain et les tailles poulain si c'est bien réglé bah ça va au mini. Cependant le bémol qu'il y a c'est que du coup si vous allez serrer le licol, eh bien il y a de la lanière qui va pendre au-dessus, donc c'est ce qui est pas tellement joli. Donc pour vous faire une vague idée de ce que vous pouvez trouver là-bas, du coup je vous ai pris un licol. Donc celui-ci je l'ai pas acheté chez Kramer, mais celui que j'avais acheté c'était deux licols qui étaient de la même couleur que celui-ci que j'avais pris de taille. Et dans ma vidéo je vous présentais mes licols. Du coup j'ai dû les jeter parce qu'ils avaient pris l'eau, mais c'était chez Kramer que je les avais achetés. Et comme je vous dis, le seul bémol c'est que quand vous allez resserrer ça, bah, ça va se retrouver au milieu. Et du coup bah, je trouve pas ça hyper joli du coup, parce que normalement ça c'est fait pour un poulain, mais un poulain poney ou cheval. Donc voilà, c'est le petit bémol. Mais sinon en autre équipement Kramer, moi je n'ai jamais acheté autre chose car tout simplement je n'ai jamais trouvé autre chose. Après si vous cherchez bien vous pouvez trouver, mais voilà ce sera généralement soit du taille Shetland ou du taille mini, mais une chance sur deux pour que ce soit trop grand pour votre mini. Le second magasin que vous pouvez trouver, que celui-ci existe, se trouve déjà plus en magasin fixe, c'est Pad. Alors Pad, moi j'y étais allé plusieurs fois également pour des licols. Donc le licol que je viens de vous montrer c'était celui que j'avais racheté chez Pad, mais il y a aussi des licols, attendez que je recherche, il y a également des licols en cuir, donc un petit en
un plus petit. Donc c'est également un taille poulain, mais qui ce coup-ci peut se régler par en dessous, donc ça fait moins moche. Donc va sur Gossip, très bien sur Gossip, mais pas assez pour Golden. Après moi là je vais vous donner, ce sera surtout des références sur Bilbao et Gossip, parce que Golden est un cas à part ayant une petite tête. Mais voilà, ça, un petit licol comme ça que j'avais payé 7 € en prend solde, bah ça va très bien à Gossip, qui a quand même une certaine petite tête de jument miniature. Et Bilbao, le taille poulain lui va très bien. Mais j'ai également pu trouver un tapis de sel. Bon, vous allez dire pourquoi des tapis quand on a des minis, lorsqu'on les travaille à pied et qu'on vient à surfer, bah c'est toujours mieux d'avoir une protection en dessous de leur dos. Et du coup nous, ça nous permet de pouvoir nous faire plaisir à acheter des petits tapis. Mais chez Pad, vous allez pouvoir trouver des tapis, donc un petit tapis comme celui-ci. Donc bon, il est un peu sale, il a pris un tout petit peu de boue, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà, celui-ci c'est pas un taille mini, mais un taille Shetland, mais le Shetland va au mini Shetland, ce qui est plutôt pas mal si vous voulez déjà trouver des petits tapis. Donc c'est de la marque Equitem celui-ci. Sur Gossip, ça va, mais ça commence déjà à être un peu grand, voilà le souci. Mais voilà, ça peut faire largement l'affaire pour commencer si vous avez pas, vous trouvez pas d'autres tapis. Mais voilà, donc il est assez petit, hein, comme vous voyez, il remplit entièrement l'écran de la caméra. Donc voilà, celui-ci vous pouvez en trouver, donc je crois qu'il est à 25 €, donc c'est pas des prix énormément excessifs, donc ça va. Vous l'avez en plusieurs coloris, donc voilà, si vous cherchez des tapis chez Pad, vous le trouverez forcément si vous voulez vous déplacer et du coup voir le produit dans vos mains, parce que je sais que sur internet le souci c'est qu'on n'a pas l'objet en main et du coup on n'arrive pas à se faire une moins bonne idée que lorsqu'on va dans un magasin fixe. Mais voilà, chez Pad, contrairement à Kramer, vous pourrez trouver du coup des tapis taille Shetland, pas mini ni cheval miniature, mais taille Shetland qui vont au mini Shetland. Maintenant je vais vous donner les sites internet que je vous recommande pour un équipement plus complet de votre mini ou cheval miniature. Donc c'est surtout mes deux partenaires, bon, un qui n'est plus mon partenaire depuis un petit moment, mais qui je peux vous recommander d'aller acheter des équipements, parce que c'est très complet sur leur site internet. Alors tout d'abord, le premier que je vais vous donner, du coup je vais vous parler de celui-ci, c'est Mini Horse Shop. Donc Mini Horse Shop, c'est pas une entreprise française, mais le site propose énormément d'équipements pour mini et chevaux miniatures, ce qui est très bien. Et eux proposent également leur propre marque, donc vous avez leur propre marque mais également de la revente de d'autres marques, mais pour des tailles mini et chevaux miniatures. Donc ouais, vraiment vous pouvez vraiment tout trouver sur leur site. Mais du coup de ce que j'avais reçu chez eux, qui m'avaient envoyé, attendez que je me rappelle, c'est, je vais déjà vous présenter des licols, mais des licols qui sont déjà beaucoup plus adaptés pour les mini, car tout simplement on n'a pas cette fameuse barre au dessus. Alors C'est le licol que vous avez tous craqué, mais encore aujourd'hui quand je mets des photos avec Gossip avec, vous êtes en extase. C'est ce petit licol là, violet avec les strass au-dessus, vous l'adorez, et moi aussi hein, je l'adore. Donc voilà, ça c'est un licol que vous pourrez trouver sur leur site. Donc ce qui est bien, c'est que du coup ça c'est leur propre marque, Mini Horse Shop. Et il y a plein de licols hyper design et tout, vous pouvez vraiment vous faire hyper plaisir avec des licols comme ça. Il y a également le bleu que j'ai de Bilbao, je ne l'ai pas pris parce que j'arrivais pas à l'enlever, parce qu'il était, il est assez dur au niveau de la tétière à enlever, donc je l'ai pas pris. Mais il y a énormément de coloris et plein de tailles en fait. Vous avez des tailles pour des poulains miniatures, pour des chevaux miniatures, pour les mini Shetland, les Shetland. Donc voilà, vous avez toute la panoplie de tailles possibles. Mais du coup, dans tout ce qui est bridon, tapis et tout, il y a également plusieurs tailles possibles sur leur site, donc c'est ce qui est plutôt pas mal. Vous pouvez vraiment équiper de la tête à la queue votre loulou. Donc voilà, c'est un site que je vous recommande, malgré que je suis plus en partenariat avec eux, parce que si j'étais en partenariat encore avec eux, j'aurais pu vous donner un petit code promo qui aurait pu vous faire payer un peu moins cher, mais bon, je n'ai pas la possibilité.
Mais si vous cherchez du coup des couvertures, et ben eux ils ont une immense panoplie de couvertures. J'ai acheté chez eux via ma carte bancaire les couvertures imperméables de Bilbao et Gossip, et je pense que j'allais en racheter une pour Golden cet hiver. Donc voilà, si vous recherchez vraiment un équipement complet et tout sans vous poser 1000 questions, aller voir sur 500 000 sites différents, vous pouvez aller sur leur site à eux et trouver vraiment tout l'équipement qu'il vous faudra. Cependant, eux, ils ont quand même des frais de port qui sont un peu plus élevés comparés à nous, vu qu'ils sont à l'étranger, donc ça coûte plus cher. Voilà, le seul bémol, c'est que vous payerez des frais de port limite, on monte parfois à 14-15 euros de frais de port. Donc voilà, le second site que je vais vous présenter, c'est la sellerie équestriale. Donc la sellerie équestriale m'a toujours envoyé leurs produits et j'ai toujours été émerveillée par ce qu'ils m'envoyaient. Si vous vous souvenez, le tout premier colis qu'ils m'avaient envoyé, c'était le tout premier équipement de Gossip. Et du coup, bah, c'est très pratique pour vous si vous recherchez du coup des équipements. Parce que eux aussi font à peu près font une rubrique mini. Donc ils sont pas spécialisés de base mini, mais ils ont la rubrique pour mini Shetland des chevaux miniatures. Donc c'est très bien pour vous. Donc là-bas vous pouvez trouver des licoles de toutes sortes. Également, pour vous redonner une idée, moi il m'avait envoyé les licoles en moumoute. Je sais que beaucoup les aiment et beaucoup ne les aiment pas, mais moi je les adore. Donc celui-ci c'est un taille mini, pour que vous puissiez vous faire une idée. Il y a la taille mini et le taille Shetland, donc il y a quand même une sacrée différence, mais du coup il y a un large choix pour vous au niveau des licoles. Vous pouvez également trouver du coup tout ce qui est bridon. Donc moi il m'avait envoyé un petit bridon pour Gossip, il lui va nickel, hein, quand on le resserre bien comme il faut, ça va impeccable. Donc pour des petites têtes de chevaux miniatures, ça va nickel. Après, à voir si vous voulez rajouter un mort, si vous voulez mettre un mort à votre mini, ou si vous voulez passer en side pool. Mais du coup en side pool, il va falloir aller trouver un side pool à la taille des mini, et ça c'est pas chose faite encore, hein. Au niveau également protection, vous pouvez trouver des petites protections comme celle-ci, donc qui va très bien à Gossip, donc peut aller également au mini Shetland si vous avez plus gros. Vous allez peut-être remarquer que du coup Mini Workshop et Excellerie Equestriale revendent les produits similaires. Donc vous pouvez très bien retrouver ça sur Mini Workshop et également Sellerie Équestriale, mais du coup Sellerie Équestriale n'a pas sa propre marque d'équipement pour mini. Mais voilà, les prix des fois sont parfois un peu plus bas chez Sellerie Équestriale, et vous paierez des frais de port moins importants que chez Mini Workshop. Après, ça à voir selon vos envies. Moi je jongle entre les deux sites selon ce que je recherche. Mais voilà, sellerie équestriale, vous trouverez également les petites protections, mais également des tapis. Donc malheureusement, par rapport au tapis là qu'il m'avait envoyé, il ira impeccable pour des mini Shetland, mais pour des chevaux miniatures qui sont assez fins, ça n'ira pas. Vous avez vu sur Gossip, c'était beaucoup trop grand malheureusement, et je n'ose pas modifier le tapis parce qu'il est vraiment hyper joli. Mais par exemple, si vous voulez prendre celui-là pour le mettre sur votre jument ou cheval miniature, ça n'ira pas. Vaut mieux prendre plus petit que le modèle là. Le modèle là n'ira pas, sauf si vous avez un mini Shetland. Du coup, pour le site sellerie équestriale, j'ai un petit code promo que du coup je vous mettrai juste ici, où vous aurez moins 10% sur votre commande. Donc c'est toujours bon si vous avez envie d'aller commander des équipements sur leur site, bah ça fera toujours un peu moins. C'est toujours bon de faire des petites économies. Un troisième site, c'est si vous voulez plus partir sur de l'éthologie et non pas des équipements standards. Ce sont mes partenaires Horse and Rope. Voilà, je vous les présente, mais tout simplement parce que moi quand j'ai reçu mes produits, j'étais vraiment très satisfaite, et du coup je vous les recommande parce qu'ils proposent pas mal d'équipements divers. Donc ce qui est plutôt pas mal chez eux, c'est que de base, malgré qu'ils proposent du taille Shetland, vous pouvez les contacter afin de leur demander de faire une taille mini, donc pour vos licoles éthologiques. Donc voilà si les exemples de ce que moi j'ai reçu comme licole. Donc ça c'est un taille Shetland, et moi je leur avais demandé de faire plus petit pour Gossip. Malheureusement pour Golden c'est beaucoup trop petit, donc voilà, je préfère pas. Mais vous voyez déjà une différence entre les tailles. Si vous voulez du coup acheter un bridon mais ne pas mettre de mort, ils font également des side pools. Donc vous pouvez en profiter pour du coup créer votre propre side pool, que vous pourrez intégrer du coup à votre bridon
pour mini. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à les contacter pour leur demander une taille un peu plus petite ou même leur donner les mesures, donc ce sera vraiment plus simple pour eux. Mais voilà, si vous voulez plus partir sur de l'éthologique, c'est vraiment un site que je vous recommande. Et j'ai actuellement un petit code promo jusqu'au 16 octobre qui est mini 10, donc n'hésitez pas, surtout si vous voulez du d'hélicole éthologique ou du matériel éthologique, c'est vraiment plutôt sympathique sur leur site. Sinon, comme autre site internet, eh bien j'en ai pas 500 000. Je sais qu'il y a la boutique du Cavalier qui vendent des équipements pour mini, mais encore moi j'en ai pas, j'ai jamais acheté dans leur site parce que je ne sais pas, j'ai jamais pris le temps d'aller acheter chez eux, mais moi je me satisfais réellement de mes trois sites là. Mais voilà, si vous voulez, vous pouvez. Il y a également une sellerie qui s'appelait avant Sellerie Equismile. Je ne sais plus son nom actuel, mais je pense que si vous marquez sur la barre de recherche Sellerie Equismile, ils vont vous directement vous rediriger vers le nouveau nom. C'est également des sites que vous pourrez trouver des équipements, mais voilà, bon, pour moi c'est vraiment quelques articles, hein. Vous ne retrouverez pas tout le total équipement de votre mini comparé aux deux autres sites. Mais après, voilà, c'est à vous également de marquer comme moi, en fait. Moi, comment j'ai fait pour trouver des équipements? Bah, c'est tout simplement que j'écrivais tapis mini Shetland, l'école cheval miniature, et je m'amusais à vraiment rechercher. Mais c'est vraiment après, au fur et à mesure, que je me suis rabattue sur ces deux sites-là qui me correspondent totalement. Et pour terminer, un dernier point où vous pourrez trouver des équipements pour chevaux miniatures et mini, et dont vous pouvez vous les avoir en main, et bah profitez-en lorsque vous allez dans des salons du cheval, donc par exemple à Lyon ou à Paris ou n'importe où, des exposants qui du coup proposent également des licoles pour poulains, pour chevaux miniatures. Et moi quand je suis allée au Wallonie et Castre Event début d'année, j'ai trouvé des licoles qui vont parfaitement à Golden. Mais j'ai trouvé deux petits licoles qui sont vraiment minuscules. Donc en premier licole que j'avais trouvé, c'était celui-ci. Voilà, qui est vraiment... c'est du taille mini chéti. Donc c'est vraiment plus petit que mini Shetland. Vous voyez, le niveau de la taille des licoles est vraiment minuscule. Également trouvé une taille, comment ils disent poulain mini, voilà, c'est pour les poulains miniatures, donc qui va également nickel à Golden. Donc voilà, c'est un QHP en fait, c'est des marques qu'on connaît très bien, mais que du coup ne sont pas revendues énormément en fait. Les marques là sont plus revendues en taille poney ou cheval, mais en tout ce qui est tout petit, bah on en a très peu. Mais c'était là dans le salon du cheval de Belgique que j'avais trouvé ces petits licoles-ci, et ça va vraiment très bien à Golden. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller dans les salons pour trouver des équipements. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère vous avoir aidé à vous donner des petits conseils pour trouver les sites internet adaptés pour vos équipements. Je vais vous laisser, on se retrouve dans une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Salut !